J'ai passé un petit peu de temps la dernière fois à décrire la relativité que ferait une fourmi sur une surface bidimensionnelle. Ce que je propose de faire maintenant, c'est d'entrer dans le vif du sujet, de s'intéresser à l'espace-temps à trois dimensions spatiales et une dimension de temps dans lequel on vit maintenant. Donc, essentiellement, le but de l'épisode qui vient ici, c'est d'exposer ce qu'on appelle la métrique de Friedman, Lemaître, Robertson et Walker, qui décrit un univers qui a une courbure spatiale uniforme, qui est la même partout, et dont l'échelle spatiale peut éventuellement dépendre du temps. Donc, ça va nous permettre ça d'aborder des questions de courbure d'espace, mais aussi d'expansion de l'univers. Je reviendrai sur tout ça dans le détail, évidemment. Bon. Alors, ce que je vais faire pour commencer, c'est je vais procéder par analogie. J'ai la dernière fois montré comment on trouvait la métrique sur une sphère en plongeant cette sphère dans un espace de dimension supérieure. Je propose de faire ça de la même façon dans l'espace tridimensionnel. C'est-à-dire, la question que je me pose là maintenant, c'est quelle est la métrique qui décrit un espace, pas un espace-temps hein, pour l'instant, un espace tridimensionnel qui peut éventuellement avoir une certaine courbure, cette courbure étant homogène, la même partout dans tout l'espace. Et du coup, je vais faire vraiment ça en double. Je vais reprendre ici très brièvement ce que j'ai fait la dernière fois pour la sphère, et je vais, étape par étape, faire la même chose dans l'espace tridimensionnel qui nous entoure. Donc ça va être ce que je vais appeler une deux sphères. Ça va être une trois sphères. Ça vit donc ça dans un espace à deux dimensions. C'est le dessin que j'avais fait la dernière fois. Voilà. Cette sphère a un rayon R. J'indique ici le rayon. Je vais prendre le même rayon ici. Alors, ça va être très difficile de faire des dessins dans ce cas-là, parce qu'un espace tridimensionnel courbe, on n'arrive pas spécialement à se le représenter facilement. Plus précisément ici, si on veut se représenter cette surface bidimensionnelle, ben je la plonge dans un espace tridimensionnel plus grand et du coup je peux la voir. Mais là, il faudrait que je plonge ça dans un espace quadridimensionnel et ça, je ne sais pas faire. Enfin, moi personnellement, je ne sais pas faire. Voilà. Bon. Donc on va se reposer sur l'analogie. Et je vous rappelle qu'on avait écrit la chose suivante. Les distances dans l'espace tridimensionnel sont données par dx2 plus dy2 plus dz2. Quand je dis les distances, ça ce sont les distances qui séparent un point de coordonnées x, y, z dans l'espace à trois dimensions et un point n de coordonnées x plus dx, y plus dy et z plus dz. Donc ça c'est la distance usuelle entre deux points de l'espace tridimensionnel et je vais utiliser le fait que les points qui appartiennent à la sphère vérifient ça, x2 plus y2 plus z2 est égal à r2. Voilà. Du coup, la coordonnée z qui est ici, on va pouvoir la sortir de cette expression-là et la remettre là-dedans, et on aura une métrique qui va dépendre que de deux coordonnées au lieu de trois. Dans le cas de l'espace dans lequel on vit maintenant, on va faire la même chose. Imaginons que ces trois sphères, quelqu'un qui a beaucoup d'imagination parvienne à s'en représenter un plongement dans un espace quadridimensionnel, cette personne va écrire la chose suivante. La distance entre deux points dans cet espace quadridimensionnel s'écrit de la manière suivante. Où ça, c'est la distance entre un point de coordonnées x, y, z et u. Il faut que je rajoute ici une quatrième dimension spatiale, je vais noter la coordonnée u. Et un point n de coordonnées x plus dx, y plus dy, z plus dz et u plus du. Donc ça, c'est la distance la distance infinitésimale entre ces deux points qui sont infiniment proches l'un de l'autre, aussi proches l'un de l'autre qu'on veut. Dire que un point appartient à une trois sphères, ça veut dire que les coordonnées x, y, z et u sont reliés par une équation qui est très similaire à celle-là, mais simplement avec une coordonnée en plus. Voilà, ces coordonnées sont reliées par ça. De la même façon, ce qu'on va faire ici, c'est que le u qui est ici, on va l'exprimer en fonction du reste à partir de cette expression-là, remettre ça là-dedans et on aura une expression de dl carré en fonction de trois coordonnées au lieu de quatre. Je vous rappelle cependant, il y a une toute petite subtilité. La dernière fois, ce n'est pas exactement ça qu'on a fait. La dernière fois, on s'est placé en coordonnées polaires, c'est-à-dire que on avait un axe z comme ça, et puis si on avait un point m ici, pour décrire ces coordonnées, j'avais pris le plan
perpendiculaire à Z et qui contient le point M, c'est celui que je suis en train de tracer ici. Il coupe la sphère en un disque et j'avais noté ρ, cette distance-là. Donc ρ ici, je m'étais placé en coordonnées polaires dans le plan XY, hein, c'est le plan qui est ici, le plan XY. Voilà. On a aussi un angle θ, j'ai une direction de référence par exemple celle-là et j'appelle θ cet angle-là. Donc dans le plan XY, je peux repérer les points par les coordonnées ρ et θ. Et on a la relation ici que ρ carré c'est ça, c'est x2 plus y2. Donc ça c'est ρ carré en coordonnées polaires. Et l'élément de longueur dl carré ici s'écrit plutôt en coordonnées polaires dρ2 plus ρ2 dθ2 plus dz au carré. Ça, c'est l'élément de longueur dans le plan XY perpendiculaire à Z, et ça, c'est l'élément de longueur dans la direction Z. Je vais faire la même chose dans le cas tridimensionnel, alors forcément c'est un petit peu plus abstrait, mais je vais considérer le sous-espace orthogonal à la direction U. Donc c'est en fait c'est celui qui est décrit par ces coordonnées-là, donc c'est un espace à trois dimensions ici. Là, on était à trois dimensions, je coupe par un plan, donc là maintenant je vais couper l'espace quadridimensionnel par un espace à trois dimensions, décrit par ces coordonnées-là, et je vais me placer dans cet espace tridimensionnel perpendiculaire à U. Je vais me placer en coordonnées sphériques, cette fois-ci c'est un espace tridimensionnel, et je vais noter les coordonnées ici, non pas x, y, z, mais ρ, θ et φ. Et du coup, ça, c'est ce qu'on appelle ρ au carré, c'est la distance ρ qui apparaît dans les coordonnées sphériques. On la note parfois r, mais je veux vraiment garder ρ ici pour se souvenir que ce n'est pas la vraie distance dans l'espace quadridimensionnel, mais c'est celle dans un sous-espace de dimension inférieure. Donc le point M ici, ses coordonnées, c'est ρ, θ et φ, hein, en coordonnées sphériques. Ça, c'est donné par ρ carré. Et l'élément de longueur qui est ici, je vous rappelle qu'en coordonnées sphériques, ça s'écrit. L'élément de longueur s'écrit dl carré est égal à dρ2 plus ρ2 dθ2 plus ρ2 sinus carré θ dφ2. Et puis on a aussi le dz, le du2, qui est la dimension supplémentaire que j'ai rajoutée. Et je souligne ça en bleu. Donc, ce que je souligne en bleu ici, c'est la partie tridimensionnelle dans l'espace de dimension inférieure perpendiculaire à la direction u. Et je vais faire exactement comme donc ce que j'ai dit que j'allais faire. Je vais ici éliminer le U de cette équation-là en utilisant celle-là. Dans le cas bidimensionnel, je vous rappelle que ce qu'on avait écrit, je fais un petit peu de place. Donc on avait dans le cas bidimensionnel, dl carré est égal à dρ2 plus ρ2 dθ2 plus dz2. Et l'équation qui est ici nous dit que z2 est égal à r2 moins ρ2. Donc si je veux éliminer z, de l'équation qui est là, je différencie ça. Ça fait 2z dz est égal à moins 2 ρ dρ. Donc ça fait z dz est égal à moins ρ dρ. Ça, je le mets dans l'expression qui est au-dessus. Ça fait dl carré est égal à. Alors ça, je ne vais pas le refaire, hein, je l'ai fait la dernière fois. Voilà, vous re-regarderez la vidéo, mais ça donne à la fin r2 sur r2 moins ρ 2 dρ 2 plus ρ 2 dθ 2. Je vais faire la même chose donc dans le cas tridimensionnel. C'est parti. J'ai l'élément de longueur ici, dl2, qui est donné par dρ2 plus ρ2 facteur de, je vais mettre ρ2 en facteur ici, dθ2 plus sinus carré θ dφ2 plus du2. Et l'expression qui est ici me dit que u2 est égal à r2 moins ρ2. Je différencie, ça me dit que 2u du est égal à moins 2 ρ dρ, donc ça fait les facteurs 2 s'en vont, ça fait ça. Et je vais simplement remplacer ça dans l'équation du dessus. Ce qui me donne dl2 est égal à dρ2 plus ρ2 facteur de dθ2 plus sinθ dφ2. Plus, c'est parti, du2, ça fait ρ2 dρ2 sur u carré. Or, u carré, c'est r2 moins ρ2. Voilà. Et comme dans le cas bidimensionnel, si je mets ça, je mets ça avec ça, je les rassemble, je mets au même dénominateur, etc. Et on obtient encore quelque chose qui a exactement la même forme, en fait. R2 moins ρ2
plus rho 2 facteur de dθ 2 plus sinus carré θ dφ 2. Je l'encadre. Voilà comment s'exprime l'élément de longueur dans un espace tridimensionnel qui a une courbure constante, donc qui a la géométrie d'une sphère à trois dimensions, d'une trisphère, et en fonction des coordonnées ρ ici, θ et φ. Et on a effectivement quelque chose qui est vraiment très similaire à ça. Je vais vraiment insister sur un point fondamental ici. De la même façon que dans le cas bidimensionnel, la coordonnée ρ ici n'est pas la distance que mesure un observateur entre deux points. Par exemple, si j'ai l'origine qui est là, je vous rappelle que la distance entre O et M mesurée par quelqu'un qui vit sur la sphère, c'est le R qui est ici, ce n'est pas le ρ. De la même façon, le ρ qui est ici, ce n'est pas non plus la distance physique que mesure quelqu'un entre un point et l'origine. C'est une coordonnée, ça, qui est dans un sous-espace, donc l'équivalent tridimensionnel du plan qui est ici. Bon. Donc ρ, ce n'est pas quelque chose qu'on peut effectivement mesurer forcément facilement. Alors, je vais transformer cette expression-là pour faire apparaître un élément de longueur qui ressemble plus à effectivement la distance mesurée sur la sphère. Dans le cas bidimensionnel, je vous rappelle qu'on avait un angle alpha ici, qui partait du centre de la sphère, c'était l'angle sous lequel on voyait l'arc entre M et O ici. Et on avait dans ce cas-là que ρ, c'était égal à grand R, le rayon de la sphère, fois sinus alpha, et le petit r, lui, la distance physique, c'était donné par r alpha. Donc du coup, alpha au facteur r près, c'est vraiment la distance physique mesurée sur la sphère. Et bien on peut, dans le cas tridimensionnel, faire la même chose. Hein. On avait, je vous le rappelle, que ρ carré plus u2 est égal à grand R2. Je peux introduire un angle ici, tel que ρ est égal à grand R sinus alpha, voilà. Du coup, le U, ça serait grand R cosinus alpha, et ça vérifie cette expression-là. Donc, ρ ici, c'est la projection du rayon vecteur dans le sous-espace, dans le sous-espace tridimensionnel orthogonal à U. De la même manière que là, ρ, c'était la projection du vecteur position sur un plan orthogonal à Z. Bon. Et alors, si je différencie ça pour avoir d ρ, ça me dit que d ρ, c'est R cos alpha fois d alpha avec un signe moins. Et donc, si je calcule ce terme-là, ça nous dit que dL2, c'est égal à R2 dρ, c'est-à-dire R2 cos carré alpha d alpha 2, sur R2 moins ρ2, c'est-à-dire R2 sinus carré alpha, plus ρ2, c'est-à-dire R2 fois sinus carré alpha, fois la partie qui contient les angles, ici, que je ne recopie pas au tableau. On voit dans le dénominateur, ici, ça va bien se simplifier, puisque R2 moins R2 sinus carré θ, ça fait R2 cos carré θ, et donc tout ce terme-là se simplifie avec lui et avec lui. Et on se retrouve, du coup, pour dL2 avec R2 d alpha 2 plus R2 sinus carré alpha fois toute la parenthèse qui est là-bas. Et on voit que le terme ici R2 des alphas, si j'introduis petit r égale grand R alpha de cette manière-là, et bien ça s'écrit de la manière suivante, dL2 c'est dr au carré plus R2 sinus carré de petit r sur grand R fois la partie spatiale avec les angles sinus carré θ dφ2. Et du coup, on voit sur cette expression-là que si on mesure la distance radiale entre deux points, la mesure entre des points qui ont le même θ et le même φ, donc c'est ça que j'appelle une distance radiale. Dans ce cas-là, si les points ont le même θ et le même φ, ça fait 0. Donc on se retrouve avec dL égale à dr. Donc du coup, ça, c'est bien la distance radiale, effectivement. Avec ces coordonnées-là, avec petit r égale grand R alpha, c'est effectivement la distance radiale. Donc avec ces coordonnées-là, on a ici la distance radiale. Et du coup, on voit comment le fait d'être dans un univers tridimensionnel qui est courbé, comment ça modifie la métrique. On a ici ce terme-là, à la place de là où on se serait attendu à avoir. À la place de tout ça, on se serait attendu à avoir petit r carré. La métrique plate habituelle, hein, c'est ce qu'on obtient en mettant petit r carré ici.
Donc là, on retrouve quelque chose vraiment très proche de ce que j'ai dit la dernière fois. On avait vu que, effectivement, pour une sphère bidimensionnelle, on avait aussi ce terme-là qui intervenait dans la géométrie. C'est la même chose en trois dimensions. Donc voilà, un espace tridimensionnel courbe, il peut être décrit par la métrique qu'on peut écrire sous cette forme-là ou sous cette forme-là. Petite remarque juste de notation. Le terme qui est ici, là, ça, on le voit parfois noté d psi 2, parce qu'effectivement, c'est un angle. Hein, et cet angle-là, c'est effectivement l'angle que font les deux points M et N, dont je suis en train de chercher la distance infinitésimale. Donc, vu depuis le centre, on peut montrer avec de la trigonométrie sphérique, enfin de la géométrie sur un cercle, l'angle entre ces deux points est donné par d psi ici. On le note aussi parfois d oméga, enfin d oméga 2, avec la remarque un peu curieuse que tiens, ça serait l'angle solide, ça représentait l'angle solide ici. Alors ce n'est pas le cas, hein, ce qu'on appelle l'angle solide, c'est l'élément de volume divisé par r carré. Ce qu'on note d oméga d'habitude pour l'angle solide hein, ici, c'est d de surface sur R2 en coordonnées sphériques. Et cet élément de surface est donné par en fait le produit de ça et de ça, c'est-à-dire par sinus θ fois dθ et dφ. Donc le d oméga 2, si d oméga 2 représentait l'angle solide, ne serait pas donné par ça, mais par ça. Cependant, cette notation-là, on la voit souvent. Hein, et moi-même, en fait, je sais que j'ai assez facilement tendance à le noter de cette manière-là. Donc peu importe l'interprétation. Je le noterai, moi, probablement souvent dans la suite d oméga 2. Ce d oméga 2 ici, ça représente vraiment cette combinaison-là des angles élémentaires. Donc d oméga, pour moi, c'est vraiment un angle au sens plat. Alors, ce que j'ai fait ici, pour l'instant, c'est chercher la métrique d'un espace tridimensionnel qui aurait une courbure constante, positive, qui aurait la géométrie d'une sphère, et on tombe sur une de ces deux formules-là. En fait, quand on fait de la cosmologie, si on part du principe cosmologique, qui est de dire l'univers est homogène, isotrope, donc s'il est homogène, il est même partout, si on se laisse la possibilité de vivre dans un espace tridimensionnel courbe, la question qu'il faudrait se poser, c'est quelle est la métrique la plus générale qui décrive un univers homogène et isotrope. Donc s'il est courbe, il faudrait que la courbure soit la même partout. Donc quelle est la métrique finalement des espaces de courbure constante? On peut le faire, ça je ne vais pas le faire ici, je vais juste vous donner le résultat. On obtient en fait la même chose que ce qu'on avait obtenu pour la sphère bidimensionnelle. C'est-à-dire que la réponse la plus générale qu'on a à la question que je viens de poser, c'est une métrique qui s'écrit sous cette forme-là, avec ici non pas ça, mais quelque chose qui va s'écrire plutôt, une fonction sk de r au carré, qui va dépendre d'un nombre k qui va décrire le type de courbure dans lequel on se trouve. Et on vient de voir ici que pour une sphère tridimensionnelle, c'est ce qu'on appelle une courbure positive, on va dire que k vaut plus 1 dans ce cas-là, on a alors que sk de r est égal à grand R. Sinus de petit r sur grand R. Ça, c'est vraiment ce que je viens de montrer. C'est ce que j'ai effacé ici pour le remplacer par sk. Dans le cas d'un univers plat, on va prendre k égale 0. C'est un univers donc qui n'a pas de courbure, un plan. Bah, dans ce cas, la métrique ici, c'est celle d'un plan. Et on a simplement sk de r qui est égal à petit r. Et effectivement, si on met r carré ici, on retrouve l'élément de longueur habituel en coordonnées sphériques dans l'espace tridimensionnel habituel dans lequel on fait de la géométrie d'habitude. Et il y a une autre situation où k serait négatif. Donc la courbure est négative, et dans ce cas, c'est décrit ça par un sinus hyperbolique à la place du sinus, petit r sur grand R. Voilà les trois situations auxquelles on peut être confronté, les trois situations qui répondent à la contrainte d'avoir un univers tridimensionnel qui est de courbure homogène, donc la même partout. Ça se traduit aussi sur l'expression qui est ici. La seule chose que ça change, c'est de mettre ici le facteur k dont je viens de parler. R2 moins k fois rho2. Et donc le k qui est ici vaut plus 1, moins 1 ou 0. On voit que s'il vaut 0, et bien effectivement, on se retrouve avec quelque chose qui a la même forme que la métrique plane habituelle où rho, cette fois-ci, son interprétation, c'est vraiment le petit r.
Et si k égale à plus 1, et ben on se retrouve avec ce qu'on vient de faire. Voilà, j'avais ici effectivement plus 1 tout à l'heure. Et k égale moins 1, c'est le cas de cet autre espace à courbure négative. Mais voilà, de manière générale, voilà comment on peut écrire la métrique d'un espace tridimensionnel à courbure constante. Comme dans le cas de la sphère bidimensionnelle, le facteur grand R qui intervient partout, là, peut éventuellement dépendre du temps. Si grand R dépend du temps, ça ne brise pas le fait que la courbure soit la même partout, ni que l'espace soit courbe. Et de fait, l'élément de longueur le plus général qu'on puisse écrire, il s'écrit de cette manière-là. R carré de T, facteur 2, et je vais mettre R carré là-dedans en facteur partout, par exemple ici, là, facteur de D. Petit r sur grand R au carré, plus, ou bien sinus de R sur grand R, ou bien R sur grand R, ou bien sinus hyperbolique de petit r sur grand R. Je mets d'un coup ici les trois possibilités, fois l'élément qui contient les angles et que je note d oméga 2, comme j'ai indiqué tout à l'heure. Voilà. Donc on peut mettre R au carré en facteur, et ce qui reste là, ça c'est ce que j'ai appelé alpha tout à l'heure. Donc ça, c'est R2, facteur de d alpha 2, plus une fonction de alpha ici, que je vais noter de manière très abusive, SK de alpha. Donc c'est abusif dans le sens où dans SK, ici, il y avait le grand R que j'avais mis. Et là, ce que j'appelle SK maintenant avec alpha dedans, c'est juste le sinus qui est ici. Donc c'est sinus alpha, alpha, ou bien sinus hyperbolique de alpha, fois d oméga 2. Et du coup, on voit que ces distances-là, elles se séparent en deux parties vraiment très différentes. On a ça qui donne la courbure de l'espace, mais aussi le facteur d'échelle. Ça nous dit, si ce facteur-là se met à être multiplié par 2 d'un coup, bah, ça veut dire que toutes les distances simultanément vont être multipliées par 2 partout sur la sphère. La partie qui est ici, ça décrit ce qu'on appelle les coordonnées comobiles. Donc ça, c'est la partie comobile. Alors je vais essayer de donner une image de ce que sont ces coordonnées comobiles dans notre espace à trois dimensions. De la même manière que sur la sphère, on peut tracer un ensemble de parallèles et un ensemble de méridiens. Donc ça serait des coordonnées géographiques. On a θ et on a φ ici. Θ, c'est la colatitude et φ, c'est la longitude sur cette sphère. Sur cette sphère, θ et φ, ça serait des coordonnées comobiles. Et pour savoir à quelles coordonnées comobiles se trouve quelqu'un ici sur la sphère, il faudrait qu'il regarde quelle est la valeur de θ correspondant au parallèle qui passe par lui et la valeur de φ qui correspond au méridien qui passe par lui. Et la distance entre deux points serait donnée par l'écart de θ et de φ entre ces deux points, mais aussi par le rayon de la sphère. Donc quelqu'un ici dans cet univers-là qui voudrait matérialiser des coordonnées comobiles dessinerait sur la sphère des méridiens et des parallèles et verrait éventuellement autour de lui, quand la sphère s'expand, ses méridiens et ses parallèles tracés sur la sphère s'écarter. Voilà. L'expansion, ça se manifesterait par l'écartement physique entre les différents méridiens et les différents parallèles. Dans notre monde tridimensionnel, ça serait plus maintenant deux coordonnées θ φ, mais trois coordonnées comobiles r θ φ qui interviendraient. Et il faudrait, de la même façon que la fourmi sur sa planète là, tracer alors non plus des lignes maintenant, mais des surfaces r égale à constante, des surfaces θ égale à constante, et des surfaces φ égale à constante. En dimension 2, un θ égale constante, c'était une ligne. Maintenant, en dimension 3, θ égale constante, c'est une surface. Φ égale constante, c'est aussi une surface. Et R égale constante, c'est une surface aussi. Alors, il faut donc imaginer dans notre espace tridimensionnel des surfaces R égale constante. Donc, c'est-à-dire ce sont des sphères. On a des sphères autour de nous, éventuellement régulièrement écartées. Voilà. On a des cônes θ égale constante. Et on a des plans φ égale constante. Voilà. Et il faut imaginer que l'expansion se traduit par le changement au cours du temps de l'écart physique qui sépare ces différentes surfaces. Bon, quand on dilate les plans φ égale constante, ça redonne des plans φ égale constante. Donc eux, finalement, ils restent invariants par l'expansion cosmologique. C'est la même chose pour les cônes θ égale constante. En revanche, l'espacement physique entre les plans R égale constante, l'espacement physique, je vous rappelle, il est relié à l'espacement en R par le facteur d'échelle A de T.
Donc la distance entre deux sphères comobiles séparées d'une distance petit r, c'est donné par a de t fois r. Donc quand l'univers s'expande, c'est-à-dire quand a augmente, cette distance-là, physique entre les sphères, augmente. Donc on aurait autour de nous un ensemble de sphères, voilà, tracées mentalement et qui sont en train de s'expandre. Voilà. Donc du coup, des objets qui sont comobiles, qui sont à l'intersection de trois de ces surfaces-là, on verrait, nous, sur la Terre, on les verrait s'éloigner de nous, parce que la surface R égale constante, physiquement, a une distance qui augmente, correspond à un rayon qui augmente. Donc ces objets comobiles s'éloignent de nous, d'une façon qui est déterminée par l'évolution temporelle de A. Ça, du coup, ça s'appelle la partie comobile. Comobile parce qu'elle bouge avec, elle bouge avec l'expansion. Ça décrit l'expansion de l'univers. Ça, on va y revenir vraiment en détail. Voilà. Et donc la longueur sur la, dans l'espace courbe peut se séparer dans ces deux, dans ces deux parties-là. Ce dont je viens de parler ici, c'est l'espace tridimensionnel. Or, on aura besoin pour faire de la cosmologie de parler d'espace-temps, parce qu'on aura besoin de faire de la relativité à un moment. Et donc, maintenant, si j'écris l'intervalle d'espace-temps le plus général dans un espace-temps courbe à courbure homogène, ça s'écrit ds2 est égal à c2 dt2 moins r carré de t facteur de d alpha 2 plus sk de alpha au carré d oméga 2. Allez, puis je vais même l'écrire de manière explicite, le d oméga 2, là. Ça, c'est dθ2 plus sinus carré θ d φ2. Voilà. Alors, j'ai dit que c'était l'intervalle le plus général. Bon, là, je suis allé un petit peu vite, hein, vous êtes en droit d'en douter. On pourrait, sans rien changer au fait que l'univers soit homogène, isotrope, mettre un facteur numérique ici, là, même une fonction du temps éventuellement. Donc en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'on définit la variable t pour avoir une métrique qui a cette forme-là. On peut toujours faire un changement de, quelle que soit la forme initiale de la métrique qui soit homogène, isotrope, on peut faire un changement de coordonnées qui mette le terme temporel sous cette forme-là. Donc voilà, c'est cette partie-là où je ne vais pas y passer trop de temps. Je vous demande de me croire, j'ai essayé de simplement vous le faire sentir avec une analogie, mais voilà. Donc ça, c'est l'expression la plus générale de l'intervalle d'espace-temps dans l'espace-temps à quatre dimensions, trois dimensions spatiales plus une dimension de temps. Alors, je vais faire une petite remarque aussi au niveau des unités et des dimensions. Donc ça, du coup, c'est une grandeur sans unité. Entre parenthèses, dans pas mal d'ouvrages, vous voyez noter chi plutôt que alpha. Donc ce rayon comobile-là, on note chi. Moi, je ne sais pas trop comment je vais le noter, ça va dépendre. Ce terme-là, là, qui décrit l'échelle de cette métrique, on l'écrit souvent d'une manière un peu différente. On introduit A de t, qui est R de t sur R0, où R0, c'est une taille de référence. Voilà. Ça peut être, par exemple, la valeur de ce R de t aujourd'hui, auquel cas, ça veut dire que A vaudrait aujourd'hui 1. Bon, mais peu importe, on a une valeur de référence, et du coup, le facteur A qui est ici, c'est vraiment lui qu'on appelle facteur d'échelle. Ça nous dit de combien, en valeur relative, l'univers s'expand au cours du temps. Si A de t varie d'un facteur 2, ça veut dire que toutes les distances ont varié d'un facteur 2. Et du coup, la métrique qui est là-haut, on l'écrit d'une manière un tout petit peu différente. On écrit ça C2 dt2 moins A carré de t fois... Le R0 qui est ici, du coup, il rentre là-dedans. On se retrouve avec un dR0 fois alpha. C'est ça qu'on va noter dR, plus sk au carré de R fois la partie angulaire. Ce que j'ai noté R ici, là, c'est du coup R0 fois alpha. Du coup, si R0, c'est la valeur de R de t aujourd'hui, le petit r qui est ici, c'est la distance physique qui sépare deux objets aujourd'hui. Ce qui est important de voir, c'est que vraiment, on peut mettre l'élément d'espace-temps, l'intervalle d'espace-temps sous cette forme-là. Et cette partie-ci décrit l'expansion de l'univers. Et là, on a la métrique d'un espace qui peut être courbe suivant la valeur de k. Cette métrique qu'on vient de déterminer, là, qu'on a écrite sous deux formes différentes, elle porte un nom. On l'appelle métrique de Friedman, Lemaître, Robertson et Walker.
Friedman et Lemaître, ces deux noms sont là pour rappeler qu'indépendamment, Friedman et Lemaître ont été les premiers à introduire en cosmologie l'idée d'un facteur d'échelle qui variait au cours du temps et donc d'un univers qui pouvait être en expansion. Et les noms de Robertson et Walker, ils sont là pour indiquer qu'indépendamment eux aussi, eux, ils ont vraiment cherché les formes les plus générales de la métrique qui pouvaient satisfaire aux principes cosmologiques. Voilà. Et donc ça, plutôt que de répéter toujours métrique de Friedman, Lemaître, Robertson, Walker, on l'appelle souvent métrique de FLRW, avec juste les initiales. Et on voit aussi très souvent simplement indiquer métrique de Robertson, Walker. On s'y réfère ça comme la métrique de Robertson, Walker. Voilà. Probablement que quand j'en parlerai, je dirai juste métrique de Robertson, Walker, mais c'est simplement parce que c'est plus court, c'est pas pour diminuer le rôle de Friedman et de Lemaître là-dedans. Alors, j'ai passé un certain temps à décrire des espaces courbes. Alors là, vous allez râler dans votre tête parce que, d'une certaine manière, ça sert presque à rien. Parce qu'on a des moyens de savoir dans quel type d'univers on vit aujourd'hui. Est-ce qu'on a K égale plutôt 0, 1 ou moins 1? Et alors, il semblerait qu'on vive dans un univers qui soit plat, globalement. La courbure de l'univers dans lequel on vit, de l'espace dans lequel on vit, semble être vraiment très faible. Et en tout cas, on mesure des valeurs qui sont compatibles avec 0. Je reviendrai ça une prochaine fois sur comment on fait ça, comment on le mesure. Mais pour l'instant, je vous demande de me croire. Effectivement, l'univers dans lequel on vit aujourd'hui a l'air d'être plutôt un univers plat. Ce qui veut dire que la métrique qui nous intéresse ici, c'est celle avec ici non pas S carré de K, mais avec simplement R carré ici. J'ai quand même tenu à montrer tout ça parce qu'il n'est pas exclu qu'on vive effectivement dans un univers qui a une courbure qui a une valeur faible mais non nulle. Donc voilà, et puis en plus, ça permet quand même aussi de se familiariser avec le sens vraiment physique de tout ça. En particulier, ce qui est un petit peu difficile, alors là c'est une remarque plutôt d'ordre pédagogique, mais ce qui est difficile à expliquer dans cette situation-là, c'est que si on part dans d'un univers plat, c'est un peu plus délicat d'introduire le facteur d'échelle, disons de séparer la partie comobile et la partie facteur d'échelle dans cet intervalle d'espace-temps-là. Dans le cas de la sphère, finalement, on a quand même une visualisation qui est assez pratique. On a donc cette sphère avec des coordonnées géographiques, et cette sphère, elle peut enfler ou diminuer. Donc le facteur d'échelle, il a dans ce cas-là vraiment une interprétation très nette. Dans le cas du plan, on pourrait aussi, hein, mais ça veut dire qu'on tire sur les quatre coins du plan, on l'expand, et quand on essaye d'y penser, on peut se faire des représentations fausses de certains phénomènes, plus facilement en tout cas qu'avec la sphère. Bon. En tout cas, voilà, ça va être vraiment le point de départ de ce qu'on va faire dans la suite. Et le genre de question qu'on va se poser, c'est comment se propage la lumière dans un tel univers? Ça, la lumière, elle se propage avec ds² carré égale à 0. Donc on va étudier des chemins qui sont tels que ds² carré égale à 0. Et donc ça va nous dire comment on voit les objets lointains dans l'univers, puisque c'est par la lumière qu'on les voit. Donc étudier la propagation de la lumière dans ce type d'univers, ça va nous donner des informations sur l'apparence de ce qui se trouve autour de nous. On va aussi déterminer la variation temporelle de A de t. En fait, A de t, c'est ce facteur d'échelle-là, ce n'est pas une fonction arbitraire du tout. On va montrer qu'il y a de la physique qui permet de déterminer comment ça évolue. En fait, on va voir que c'est le contenu de l'univers qui détermine l'évolution de A. Et selon ce que ça contient, on va même calculer des formes explicites de ça. On verra par exemple que dans certaines conditions, A évolue comme une loi de puissance avec le temps. Dans d'autres, il peut évoluer exponentiellement avec le temps, etc. Ça, on va le faire plus tard en détail. Donc ça, là, je suis déjà en train de mordre un tout petit peu sur la suite. Je vais m'arrêter là pour ce cours-là. Et la prochaine fois, je vous parlerai vraiment d'expansion et de loi de Hubble. Comment est-ce que le facteur A de t qu'on a introduit dans la métrique, comment ça se manifeste physiquement?